Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager deux astuces avec vous suite à la dernière mise à jour qui est parue hier soir. Donc il faut savoir que désormais vous pouvez avoir des engrammes exotiques beaucoup plus facilement et ça grâce à la Sparrow Racing League. Donc tout simplement le nouvel événement, les courses de passereaux. Il vous suffira tout simplement d'activer un 3-2 denier au début de chacune de vos courses. Donc par exemple, hier soir, moi j'ai activé en tout 8 3 de deniers et j'ai pu looter 5 engrammes exotiques. Donc vraiment un taux de loot assez efficace. D'habitude, on est plutôt autour de, allez, un exotique pour 3, allez ouais, tous les 3 de deniers. Alors que là, vraiment, ça fait quasiment un peu plus de 1 sur 2. C'est vraiment assez intéressant et ça vous permet en même temps de participer à l'événement. J'ai eu pas mal de chance en plus, j'ai eu le souffle du dragon et apparemment il est vraiment beaucoup mieux que l'année 1. Il y a eu des petites modifications et il est vraiment beaucoup plus efficace. Je vous ferai d'ailleurs peut-être un gameplay un petit peu plus tard. Deuxième astuce, il faut savoir que désormais vous pouvez échanger vos matériaux contre de l'estime de faction. Et ça franchement c'est plutôt pas mal hein, puisque par exemple les sports de verre depuis que ce Tekken King est sorti, bah moi j'en avais vraiment à chier. Donc au moins on peut les échanger et monter un petit peu en estime. Donc maintenant vous pouvez échanger les sports de verre directement à la monarchie, vous pourrez échanger les fleurs à la guerre future, vous pourrez échanger l'hélium à l'astre mort et enfin vous pourrez échanger également les sports chez Eris. Donc ça fait vraiment plaisir. Et enfin une bonne nouvelle, vous pouvez désormais dépenser vos lumières éthériques chez la reine, donc sur le récif, pour également gagner en estime de sa propre faction. Donc ça c'est plutôt pas mal, on savait pas quoi faire de ces lumières éthériques et enfin on peut les utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu les potes, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, à partager et à liker cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, tchuss.